Alors cet atelier qui est en construction, il est destiné à maintenir les rames nouvelle génération Omnéo Premium, donc les régios de Zen, qui ont été acquis par la région Centre-Val de Loire pour remplacer les corails qui circuleront sur la ligne Paris-Orléans-Berry et Paris-Nevers. L'objectif de ce technicentre, c'est de faire toute la maintenance préventive et la maintenance corrective suite à la circulation des rames. Donc on sera sur de la maintenance, donc pour faire simple et compréhensible de tous, on est le garagiste de la SNCF. Ah ben c'est un bel outil industriel qui est en train de se construire. Un pari qu'on a fait en 2017 pour 2018, de reprendre nos trois lignes intercités. Et dans le cadre de la négociation, on avait négocié une partie du financement d'un nouveau technicentre parce qu'on avait estimé qu'un nouveau parc ultra moderne sur des lignes qui irriguent nos territoires, on devait les maintenir le plus près possible de ces lignes. C'est pour ça que l'emplacement d'Orléans est essentiel. C'est une nouvelle activité à Orléans et je crois que c'est important. Il y a plusieurs enjeux. Il y a l'enjeu de la maintenance, il y a l'enjeu de l'emploi à Orléans, il y a l'enjeu de la qualité. Véritablement, c'est bien que quand on investit dans le ferroviaire, on investit dans des structures modernes et nouvelles et totalement techniquement en phase avec leur temps. L'atelier accueillera 32 rames Régio de Zen pour démarrer. On sera à peu près 70 personnes sur le site. On travaillera essentiellement en creux de roulement, c'est-à-dire quand les rames sont au garage, donc plutôt la nuit. Ah bah écoutez, je suis très fier de pouvoir partager aujourd'hui avec la région et son président et le vice-président Fournier l'ouverture ou la future ouverture imminente maintenant de cet atelier. Vous savez, créer un atelier, c'est pas banal, on le fait pas ça souvent. C'est une trace qu'on va laisser ensemble à l'histoire ferroviaire ici à Orléans. Atelier magnifique, atelier très moderne, qui va permettre d'accueillir les 32 nouvelles rames Omnéo, hein, des rames magnifiques, qui vont équiper les lignes Rémy Express. Donc vraiment, très belle perspective, parce qu'on fait tout ça, c'est pour les gens qu'on fait ça, c'est pour les usagers, les utilisateurs de ces trains, qui ont à la fois des trains neufs, et ces trains neufs vont être entretenus ici. Voilà, c'est un renouveau du ferroviaire auquel on assiste. Et moi, je suis très confiant de la qualité de service qu'on va pouvoir offrir à nos clients. C'est ça qui nous motive, que les gens, tous les jours, puissent disposer de trains modernes, bien entretenus, fiables et efficaces. C'est d'abord une grande satisfaction parce qu'on est sur une très très ambitieuse réalisation, un investissement majeur, 70 millions d'euros, pour 32 rames neuves qui vont rénover complètement la circulation sur Paris, Orléans, Blois-Tours, sur Paris-Bourges, sur Paris-Montargis, Nevers. Donc l'essentiel de nos lignes TET vont être équipées de machines qui vont être entretenues en maintenance préventive. On fait ça parce que quand on a des machines neuves, quand on fait comme sur un véhicule une maintenance préventive, on a beaucoup moins d'aléas, beaucoup moins de pannes, donc beaucoup plus de régularité. Donc c'est une conquête pour les usagers, pour l'attractivité du train, et on a besoin de le faire. Donc une grande satisfaction. En plus, c'est des conditions très modernes. Ce sont 70 emplois qui sont créés ici à Orléans. 70 emplois qui sont créés à Orléans, c'est important. Des emplois de techniciens, de jeunes femmes, de jeunes hommes, complètement investis dans le projet. Puis c'est une nouvelle étape pour la SNCF. On avait tellement connu de décennies pendant lesquelles les lignes vieillissaient, le matériel vieillissait, etc. On ouvre la SNCF à un nouvel avenir.